En 79 de notre ère, au temps de l'empereur Titus, une ville qui s'appelle Pompéi, une ville romaine, a été ensevelie par une éruption du Vésuve. Et ce jour de 79, ce volcan qui gronde depuis plusieurs années déjà, explose. Et l'explosion est terrible. Il faut comprendre que Pompéi a été foudroyée par l'éruption. C'est-à-dire qu'en l'espace de 36 heures, ce sont des mètres de lapilli, c'est-à-dire de pierres ponces que projette le volcan, puis ensuite des nuées ardentes. Il faut comprendre ce que c'est. Ce sont des vents de 300 degrés, peut-être, à 200 ou 300 km/h, qui figent la ville. Au lendemain de l'éruption du Vésuve, Pompéi est presque entièrement ensevelie. Un peu plus loin, Herculanum et Stabie ont, quant à elles, disparu sous la lave et la boue volcanique. Quelques jours après la catastrophe, l'empereur dépêche de Rome deux consuls pour qu'ils lui rendent compte de l'étendue du désastre. À Pompéi, seuls quelques édifices émergent du forum, le lieu le plus haut de la ville. On décide alors que la cité ne sera jamais reconstruite. Elle ne sera pas oubliée pour autant, car elle devient presque immédiatement et pour plusieurs siècles un vaste chantier de récupération de matériaux. Des pilleurs fréquentent régulièrement le site. Au XVIe siècle, un tunnel est creusé pour acheminer de l'eau potable. Mais Pompéi reste dans son ensemble caché au regard des hommes pendant plus de 1600 ans, jusqu'à ce jour de 1748, où l'on vint y exhumer des sculptures et des vestiges antiques pour décorer le palais du roi de Naples. Lorsqu'on la redécouvre au milieu du XVIIIe siècle, on la redécouvre en l'état où, en 79, elle était. Donc on est, au sens propre, dans un moment de révélation. Ce qui se révèle exactement comme un vieux négatif qu'on aurait retrouvé et que l'on révèle justement dans un bain, ben c'est une image qui est une image arrêtée d'un jour de 79 de notre ère où la vie urbaine s'est arrêtée à Pompéi. Peu à peu, la cité se dévoile aux yeux des fouilleurs que l'on ne peut pas encore appeler archéologues. Les maisons, le forum, l'amphithéâtre, les commerces, les fours à pain, en un mot, tout ce qui fait le quotidien d'une ville romaine semble se découvrir au fur et à mesure des dégagements. La mise à jour de l'enceinte de la ville, bordée de nécropoles, délimite un espace de plus de 65 hectares. Commence alors une autre histoire, celle de l'archéologie, mais aussi celle de la construction d'un imaginaire du monde romain qui voit dans Pompéi le modèle de la cité antique. Les images de Pompéi circulent en Europe et on se passionne pour les vestiges antiques. Le site, devenu parc archéologique protégé, devient le passage obligé des amateurs éclairés qui viennent y puiser inspiration et émotions romantiques. À partir de la fin du XIXe siècle, c'est le grand public qui se nourrit de cet imaginaire, notamment grâce à un roman historique, « Les derniers jours de Pompéi », traduit dans toutes les langues et qui sera très vite adapté au cinéma. Les différentes versions du film mettent en scène une cité romaine idéalisée où les habitants coulent des jours heureux. Au cours du XXe siècle, les touristes vont chercher à Pompéi cette image rassurante de l'ordinaire des jours. On y mange, on y boit, on y prépare le pain. Voici ce que donne à voir cet imaginaire de carte postale. Voici ce que le décor urbain de Pompéi évoque encore aujourd'hui. Le visiteur contemporain met ses pas dans ceux de Stendhal, qui écrivait qu'on était à Pompéi face à face avec l'Antiquité. Les Romains sortent des livres pour devenir nos contemporains. Ils nous regardent et nous les regardons. Nous faisons également l'ascension du Vésuve jusqu'au cratère où les fumerolles témoignent toujours de l'activité du volcan. Puis, nous déambulons sur le site archéologique
comme les 3,5 millions de visiteurs qui, chaque année, viennent confronter les images qu'ils ont déjà à l'esprit à la réalité physique du lieu, de ses édifices et de ses signes. Et donc, ce que l'on cherche à Pompéi, les touristes comme les historiens, c'est d'essayer de comprendre comment vit une cité romaine. Mais est-elle romaine ? Elle ne l'est pas tout à fait. Est-elle emblématique du monde romain ? Pas tout à fait. Au fond, si on veut faire l'histoire de Pompéi, au-delà effectivement de cet imaginaire, il faudra aller chercher ses singularités. Il faudra aller chercher, derrière les images de la vie quotidienne, une histoire. En 79, Pompéi est une ville de taille moyenne, d'environ 12 000 habitants, riche de sa production viticole et de sa place dans les échanges méditerranéens, mais qui ne connaît pas la prospérité de ses voisines, Cumes, Pouzolles, et encore moins de la ville nouvelle qui commence à dominer la région, Néapolis, la future Naples. C'est également une ville dont la vie depuis plus de 6 siècles a été rythmée par les influences des mondes avoisinants, les Grecs, les Étrusques et finalement Rome, qui la conquiert au 3e siècle avant notre ère, en lui imposant son urbanisme monumental. Mais Pompéi ne devient officiellement une colonie romaine qu'en l'an 89 avant notre ère, après un siège conduit par les légionnaires du général Sylla et dont on peut voir encore les impacts de tirs de balistes sur l'enceinte. Donc, se constitue effectivement, sous nos yeux, une ville qu'on va dire romaine. Mais cette ville, elle n'est pas originellement romaine. Ceux qui habitent originellement à Pompéi sont les Samnites. Qui sont les Samnites ? C'est un peuple montagnard descendu des Abruzes et qui, d'une certaine manière, fait partie des différentes populations italiques. Ils ne parlent pas latin, ils parlent une langue qu'on appelle l'osque. Ils font donc partie du monde latin, mais d'une certaine manière en tant qu'ils sont eux-mêmes romanisés. Pompéi a donc adopté tous les attributs de la romanité. Son forum, son amphithéâtre, son urbanisme aux rues orthogonales, mais aussi son érotique et, plus globalement, sa culture visuelle. Mais là encore, on ne doit pas se laisser abuser par une lecture immédiate des signes et des images. Voyez cette fresque de l'amphithéâtre dans laquelle se battent des hommes en armes. On est tenté d'y reconnaître une scène typique de combat de gladiateurs. Mais élargissons un peu le cadre. On comprend alors que l'on se bat aussi en dehors des murs, dans les rues avoisinantes. En réalité, la fresque témoigne des émeutes qui, en l'an 59, avaient embrasé le quartier de l'amphithéâtre. Regardez également cet homme, dans lequel nous aimerions voir un boulanger à cause des pains posés à côté de lui. Sa toge nous indique qu'il s'agit en fait d'un notable et que le pain qu'il tend est sans doute un geste politique destiné à s'attirer le vote de ses concitoyens. Car juste avant le réveil du Vésuve, Pompéi était en pleine campagne électorale. Et les quelques 2600 graffitis qui s'étalent sur les murs des maisons datent, dans leur très grande majorité, des quelques semaines qui précèdent l'éruption. Donc, si on s'approche d'un peu plus près de toutes ces images qu'on nous présente comme de la vie quotidienne, du pain, du cirque, des graffitis, on retrouve, je dirais, une densité politique de la vie civile à Pompéi. Restituer la cité antique à son contexte politique et à sa dynamique historique, voilà le travail de l'historien, qui doit restituer toute l'épaisseur du temps. Transportons-nous vers le front de fouille. On y voit une stratigraphie où les couches superposées ne racontent pas la lente accumulation du temps. À Pompéi, les 4 à 5 mètres de matériaux qui recouvrent le sol de l'an 79 nous livre la chronologie de la catastrophe heure par heure. Une première couche de pierre ponce légère et blanche qui tombe après midi, pendant plusieurs heures, puis une seconde couche de lapilli, mais plus sombre, et enfin deux strates superposées, plus solides, qui témoignent des 4e et 5e nuées ardentes sorties du volcan
le lendemain, au petit matin. Voilà la signature de l'éruption de 79, que l'on retrouve près de 2000 ans plus tard comme une cicatrice à chaque endroit du site. Et c'est là, dans cette stratigraphie unique au monde, que les archéologues retrouvent les traces de la mort qui vient en ce jour de 79. Nous avons ici l'impression d'être, tout autant que dans un face-à-face avec Rome, dans un face-à-face avec la mort. Et les images de ces moulages de plâtre, que l'on commence à produire au milieu du 19e siècle, ont grandement participé à la popularité du lieu par le pouvoir de fascination qu'elles exercent. Cette émotion a une histoire. Elle date des années 1860. Elle est d'ailleurs contemporaine au fond de la révélation photographique. Parce que c'est d'une inversion dont on a à parler. C'est Fiorelli qui était l'archéologue en chef Pompéi qui a l'idée de couler du plâtre dans les cavités que laissent sous la cendre froide les corps décomposés qui y ont laissé empreinte. Il ne faut pas s'y tromper. Ce n'est pas un corps que l'on voit, mais son empreinte inversée, une absence qui prend corps. Nous pouvons voir dans les moulages de Pompéi une métaphore de l'archéologie et de la construction de la connaissance historique. Car le but de l'historien consiste toujours à accéder à un passé disparu. Et ces traces négatives sont désormais pour lui aussi importantes que les écrits et les témoignages sur lesquels s'est longtemps fondée exclusivement la recherche historique. Il y a un texte exceptionnel qui décrit l'éruption du Vésuve en 79 et qui la décrit si bien, d'ailleurs, qu'elle caractérise pour les vulcanologues, aujourd'hui encore, un type d'éruption. Pline l'Ancien est mort à Pompéi, ou en tout cas pas très loin, en 79. Et Pline le Jeune, son neveu, a raconté la mort de son oncle en 79 après notre ère. C'est dans une lettre adressée à l'historien Tacite que Pline le Jeune témoigne de la mort de son oncle. Il raconte que Pline l'Ancien s'est embarqué sur une galère depuis Misène, dont il commandait la flotte, à quelques dizaines de kilomètres de l'éruption, pour aller étudier au péril de sa vie ce phénomène naturel. Ce texte est très précis dans sa description de ce qu'a vu Pline, une nuée qui ressemblait très exactement à un pin parasol. C'est cela que les vulcanologues appellent aujourd'hui une éruption plinienne. Mais pourtant, l'auteur du document ne cherche pas à décrire une éruption, mais à convaincre son interlocuteur, Tacite, que Pline l'Ancien s'est conduit héroïquement en homme de science. Alors l'histoire de la transmission des manuscrits antiques et aussi l'histoire de leur déformation. Donc on ne connaît évidemment pas l'original la lettre que Pline le Jeune écrivit à Tacite pour raconter la mort de son oncle. On connaît des copies de copies de copies. Et donc il y a des accidents de copies. Et un des principaux accidents de copies porte sur le jour exact de l'éruption. Parce que jusque-là, nous avons toujours dit un certain jour de 79 après notre ère. Mais quel jour ? Dans la plupart de ces témoins manuscrits, la lettre de Pline précise le 9e jour avant les calendes de septembre, soit le 24 août. Mais certaines copies disent le 9e jour avant les calendes de novembre, soit le 24 octobre. La tradition a toujours suivi la majorité des manuscrits, c'est-à-dire le 24 août. Et pourtant, cette tradition du texte est démentie de plus en plus fréquemment par les trouvailles archéologiques. Des vêtements chauds, de laine, ont été retrouvés sur les corps. Des jarres sont remplies du vin des vendanges. Des braseros sont allumés. On a même identifié des empreintes de feuilles mortes sur des pierres ponces. Bref, il y a toute une série d'indices archéologiques qui renforce l'hypothèse automnale. 24 octobre plutôt que 24 août.
Mais l'histoire est ainsi faite que l'on fait toujours plus confiance aux textes qu'aux vestiges archéologiques. Que nous dit alors l'archéologie de la réalité de Pompéi au moment de sa destruction? Regardez ce porche. La moitié droite a été reconstruite en briques. À la base de ces colonnes, des renforts de plomb ont été injectés pour les empêcher de s'écrouler. Les arcades de l'amphithéâtre ont été renforcées par un chemisage en briques. Une fissure a abîmé ce four à pain, puis a été colmatée. Et seul un des quatre moulins était en activité au moment du cataclysme. Tous ces indices documentent un événement majeur survenu en l'an 62, que la catastrophe de 79 a souvent oblitéré. En 62, Pompéi connaît un tremblement de terre puissant qui endommage profondément la ville. Les Pompéiens l'ignorent, mais cette activité sismique est le signe avant-coureur du réveil du volcan. On peut dire que Pompéi, en 79, est une cité en crise. C'est une cité en crise parce qu'elle subit depuis 15 ans les assauts répétés des tremblements de terre et qu'elle peine à se reconstruire. Et donc, ce qui va être figé en 79 par l'éruption du volcan, ce n'est pas une ville tranquille et prospère de la Campanie, c'est une ville qui peine à se reconstruire après le tremblement de terre de 62. Et ça, les archéologues le savent très bien aujourd'hui, qui analysent en détail les stigmates de la destruction et les traces de la reconstruction. Ici, à la maison des Chastes Amants, les premiers archéologues furent saisis de trouver les traces de l'instant même du cataclysme, comme cette fresque abîmée par le séisme de 62, et que les peintres étaient justement en train de restaurer lorsqu'ils se firent surprendre par l'éruption. Mais ils purent aussi constater les dégâts causés par les pilleurs qui les avaient précédés et la fragilité des constructions. Dans la seconde moitié du XXe siècle, il fut donc décidé d'arrêter les grands dégagements pour garder du matériau de recherche intact à l'attention des futures générations d'archéologues. Ainsi, un tiers de Pompéi reste aujourd'hui protégé sous les lapilli, la cendre et la terre. C'est à nouveau avec la mort que l'histoire, ou plutôt les histoires, se révèlent. À la nécropole de la Porta Nocera, une équipe française étudie depuis plusieurs années les rites funéraires à Pompéi sous la direction de William von Andringa. Lorsqu'on dégage les matériaux volcaniques, on tombe évidemment sur le sol du 24 août ou du 24 octobre, ce qui veut dire que le sol est en place, que les objets laissés sur le sol sont également en place. Et ensuite, lorsqu'on fouille ces premiers niveaux, on tombe très vite sur les niveaux immédiatement antérieurs qui fourmillent de traces. L'équipe de William von Andringa étudie chaque centimètre carré des sépultures, analyse le moindre morceau de charbon, relève le plus petit éclat d'objet. Au laboratoire, installé dans une maison de Pompéi, les sédiments recueillis commencent à livrer leurs secrets par un minutieux travail d'enquête qui mobilise une vingtaine de professionnels issus de toutes les disciplines. À partir du plus infime fragment, ils peuvent dire s'il s'agit d'un morceau calciné de figue ou de noisette, d'un os de chien ou d'oiseau, si les restes humains proviennent d'un homme, d'une femme ou d'un enfant. Le recoupement donc de tous ces indices nous amène à restituer une gestuelle, des gestes, on peut parler d'archéologie du geste, et nous amène à toucher du doigt les comportements, hein, les comportements qui étaient motivés par la tradition familiale, ou moins qui étaient générés ou, par la tradition familiale, mais qui étaient les comportements qui étaient aussi influencés par l'émotion. Il est évident que la mort cause un trauma dans la famille, et on arrive donc à restituer donc, la variabilité des gestes qui répond justement à des moments d'émotion et également à des traditions familiales différentes.
Voyez par exemple la façade de ce monument funéraire. L'inscription indique que le monument a été érigé par une esclave affranchie, Verania Clara, pour Caius Veranius Rufus, un citoyen haut placé dans la hiérarchie de la cité et fils de l'ancien maître de Verania Clara. Que s'est-il réellement passé entre ces deux personnages? La réponse se trouve de l'autre côté de la façade. Les archéologues ont retrouvé deux stèles, l'une pour Verania Clara, l'esclave affranchie, l'autre pour Caius Veranius Rufus, le citoyen. Sous la première, ils ne trouvèrent rien. Sous la deuxième, se trouvaient les ossements de deux corps, celui de l'homme et probablement celui de la femme, mélangés dans la même sépulture. Voilà, l'équipe de William Van Andringa a vraisemblablement mis au jour, 2000 ans plus tard, une histoire d'amour entre une esclave affranchie et le fils de son ancien maître. Dans cette double expression de la mort, puisqu'on trouve en façade des monuments, face à la rue, l'ordre social établi et une organisation des sépultures à l'intérieur des enclos qui est en relation avec la structure familiale et son fonctionnement, on voit bien ici que les textes, les inscriptions, eh bien, ont un côté très normatif, c'est-à-dire qu'ils représentent la société établie, hein, l'ordre établi. En revanche, à l'intérieur des enclos, on voit bien que les traces laissées par les rituels funéraires, les traces laissées par toute l'activité funéraire déployée autour de la mémoire des individus, des défunts, eh bien, elles viennent, non pas en contradiction, mais elles montrent la richesse des comportements humains et la richesse des comportements humains qui s'adaptent à un ordre fixe, à un ordre établi. Autrement dit, les textes nous donnent finalement la représentation d'une société, alors que l'archéologie, eh bien, amène, complète en quelque sorte le panorama et montre que cet ordre est établi peut être transgressé, il peut être enrichi. À ceux qui demandent « Y a-t-il encore quelque chose à découvrir à Pompéi ?», on répondra volontiers « Tout reste à découvrir ». Mais pas la vie quotidienne folklorisée que l'on montre aux touristes, non, la vie sociale complexe qui joue avec la norme dans un écart que les archives du sol nous donnent aujourd'hui la chance de pouvoir reconstituer. Ce qui caractérise Pompéi en 79, c'est peut-être qu'elle est une ville du monde romain, parmi tant d'autres, à la fois banale et singulière, bien éloignée des mouvements qui, pendant ce temps-là, agitent le monde. À Rome, l'empereur Titus est sans doute plus préoccupé par les révoltes des Juifs de Judée qui se rebellent à la suite de la destruction du Temple de Jérusalem. Au même moment, des peuples barbares migrent au nord de l'Europe, entre Scandinavie et plaine germano-polonaise. C'est aussi le moment où se rédigent les évangiles chrétiennes et 79 est peut-être l'année où meurt le second pape, Linus, successeur de Saint-Pierre, pendant qu'en Chine naît l'empereur Heidi de la dynastie Han et que les érudits y établissent le texte définitif des écrits de Confucius. Certains rêveront encore de la coïncidence entre la destruction d'une cité antique et l'avènement du christianisme, comme si la nature avait puni les habitants de Pompéi de s'être vautrés dans les plaisirs coupables. Les historiens et les archéologues chercheront plutôt à sortir des représentations figées et des clichés, pour retrouver justement, à travers cette instantanée de la mort que nous a livré le hasard de l'histoire, le témoignage de la vie réelle, singulière, telle qu'elle a eu lieu ici, il y a près de 2000 ans. Qu'est-ce qui fait date en 79? Ce qui a lieu à ce moment-là, c'est un événement pour nous, un événement pour aujourd'hui. C'est un événement de savoir, c'est-à-dire que ce sont les conditions de possibilité d'une connaissance future de Pompéi. C'est ça l'éruption de 79. En cela, elle fait date. Elle fait date parce qu'elle nous permet aujourd'hui de comprendre l'ordinaire des jours
qui est révélée par l'extraordinaire d'un jour. Et c'est ça qui est proprement vertigineux dans l'histoire de Pompéi. C'est que parce qu'un jour la vie fut anéantie, aujourd'hui, pour nous, elle est devenue connaissable.